Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul Action et Maison du Monde. Donc j'ai décidé de vous partager mes achats maintenant parce que je sais que chez Action, ça change très très vite. Et Maison du Monde, c'est des achats soldés. Donc autant vous les présenter maintenant. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver sans doute plus facilement. Donc je vais commencer par Action. Donc j'ai pris mes petits tickets. Je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y a des petites gourmandises. Des ampoules halogènes ou des ampoules pour la maison, des jus, des choses comme ça. Je vais vous présenter vraiment les choses qui me paraissent intéressantes pour vous et notamment de la déco. Donc la première fois que j'y suis allée avec mon mari, donc c'est parce que j'avais eu une carte cadeau donc pour Noël de la part de mon frère et de ma belle-sœur. Et du coup j'ai craqué pour ce coussin-là, donc qui est gris comme ça avec une écriture donc tout en argenté. Il y a marqué Enjoy the little thing, donc sois heureux des petites choses, en gros de la vie, hein. Voilà, donc c'est un coussin qui est assez molletonné, en fait, qui est extrêmement doux. Et je l'ai pris en fait pour mettre ici dans mon bureau, pour le mettre sur la chaise, parce que souvent j'ai mal au dos. Donc je l'ai trouvé vraiment chouette. Et je l'ai eu à 4,79 €. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt raisonnable pour un coussin. Donc il est quand même assez gros et très sympa. Ensuite, le même jour, hop. Donc j'ai craqué pour cette boîte-ci de rangement. Donc il existait un modèle un petit peu plus grand et dans un autre coloris, un coloris un peu cuivré marronné, juste magnifique. D'ailleurs j'en ai pris une pour ma belle-mère à Noël pour y glisser des petites tasses que j'avais trouvées chez Emma. Et moi je voulais un modèle plus petit, pareil pour avoir un truc d'appoint de rangement dans mon bureau. Et donc voilà, franchement elle est juste trop belle. Elle est un peu dorée, mais un doré très très clair. Donc vous avez ici deux petites poignées en fait. Franchement, elle est vraiment très chouette. Ici, vous avez tout un contour en simili-cuir. Et à l'intérieur, en fait, c'est tout feutré comme ça. Donc franchement, j'en suis trop trop contente. Et voilà, je la trouve vraiment très très chouette. Et comme ici, les couleurs sont très claires, elle ira parfaitement. Et celle-ci, je l'ai payée 4,89 €. Donc franchement, pour 4,89 €, je suis vraiment très contente. Elle est vraiment trop belle. Et ensuite, nous y sommes retournés donc le lendemain, si je ne dis pas de bêtises, parce que je voulais prendre quelque chose pour mon swap. Et du coup, on en a profité pour prendre 2-3 trucs. Donc la première chose qu'on a pris, c'est une poubelle. En fait, pour la chambre de ma fille, puisqu'elle en avait une dans sa chambre qui était blanche, mais elle avait, je crois, depuis qu'on est ici, donc ça devait faire 8 ans qu'elle l'avait, donc elle avait clairement souffert. Donc c'est une petite poubelle toute simple, hein, couleur argentée, donc qui est quand même assez grosse. Donc voilà, donc elle est très contente. Et on l'a payé donc 2,79 €. Ensuite, j'ai pris un lot d'enveloppes comme ça, bulles. Donc à l'intérieur, il y en a 5. Alors ça, c'est pour envoyer mes petits trocs ou des fois des petits paquets. Franchement, elles sont vraiment épaisses, vraiment solides. J'aime beaucoup et vraiment pas cher puisque les 5 enveloppes, le lot coûte 89 centimes. Donc top. Ensuite, mon mari s'est pris un brassard en fait pour aller courir. Vous voyez, ça se met autour du bras et donc il pourra mettre donc son portable ou éventuellement un truc pour écouter de la musique. Donc vraiment ultra ultra pratique et c'était qu'à 1,59 €. Donc franchement c'était plutôt cool. Donc voilà, donc il est content. Et ensuite le gros truc que j'ai pris, que j'ai payé donc 19,95 €. Donc c'est un meuble d'appoint pareil pour cette pièce-ci. Ici. Donc je vais vous le présenter. Donc il se présente donc comme ceci. Hop. Donc il est avec deux étages en fait, avec cet effet un peu patiné que j'aime beaucoup. Et vous avez donc deux tiroirs. Voilà. Deux tiroirs. Alors j'ai déjà mis des trucs dedans. J'aurais dû penser à le vider avant. C'était d'ailleurs des bougies que j'avais achetées avant chez Action. Donc avec deux paniers comme ça qui sont à l'intérieur recouverts de tissu avec un petit nœud. Franchement, ils sont assez profonds, donc ce sera hyper pratique pour y ranger des choses. Et pareil, donc vous avez au niveau d'en dessous, pareil, un second tiroir. Pour l'instant, j'y ai mis des produits Clarins que le cousin de mon mari m'a ramené puisqu'il travaille chez Clarins. Donc il a la possibilité de temps en temps de m'offrir des produits et donc je suis très contente. Donc je les ai mis là en attendant de les tester. Pour 19,95 €, franchement je suis hyper hyper contente. Il n'est pas très grand, il n'est pas très large, mais juste parfait pour cette pièce-là qui ma foi est assez petite. Donc j'étais trop contente de tomber dessus. Donc là nous sommes jeudi et nous y avons été donc hier. Donc c'est vraiment pour celles qui ont des actions près de chez elles. Donc c'est un arrivage cette semaine.
Et pour finir, je vais vous présenter donc quelques achats, enfin deux achats chez Maison du Monde en fait que j'ai acheté donc pendant les soldes. En fait, j'y suis allée pour prendre une petite déco pour mon swap. Et du coup, chez Maison du Monde, il y avait plein de trucs intéressants, mais beaucoup, beaucoup de choses étaient très, très abîmées. Donc du coup, j'ai pas pris. Mais néanmoins, je suis tombée sur ce magnifique coussin. Voilà, donc avec plein de petites paillettes dorées en fait. Ici, vous avez un petit cœur accroché, donc réversible. Et ici, pareil, avec des petites étoiles dorées. Donc c'est un coussin comme ça qui est quand même à fois assez grand. Donc je vais le mettre soit dans notre chambre, soit dans la salle à manger, parce que les coussins, on adore ça. Et donc il était à moins 50%, donc normalement il était à 20 euros, donc il est passé à 10 euros. Donc housse plus garniture à l'intérieur, donc je trouvais ça à 10 euros raisonnable. Par contre 20 euros, je trouve ça juste abusé, mais bon après c'est les tarifs Maison du Monde. Mais les garnitures, moi j'en avais acheté chez Tati, il me semble, et je les avais payées dans les alentours des 4-5 euros. Donc là, ça valait le coup d'avoir la housse plus la garniture. Et ensuite, j'ai pris un lot comme ça de magnettes, puisque nous, on aime beaucoup, beaucoup les magnettes ici. Donc pour coller sur le frigo, donc je ne les ai pas encore ouverts. Pareil, à moins 50%, donc au lieu d'être à 7,99€, donc 8 euros, on les a eu donc pour 4 euros. Et franchement, ils sont vraiment très très jolis en noir et blanc comme ça. Et comme notre frigo est gris, bah, ça ira parfaitement dessus. Donc je suis très très contente de cette petite trouvaille. Voilà, donc mon petit haul est terminé. Donc comme vous voyez, j'avais pas énormément de trucs à vous présenter, mais comme je sais voilà que chez Action, généralement les arrivages se font le mercredi, si je dis pas de bêtises, ça part extrêmement vite, notamment pour les grosses pièces. Et puis bah, Maison du Monde, c'est pareil, comme c'est les soldes actuellement, je sais que ça va très très vite aussi. Selon les boutiques, il n'y a pas forcément les mêmes stocks. Sur le site internet, le problème c'est que souvent il y a les frais de port. Donc n'hésitez pas à vous déplacer en boutique, à mon avis ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao !